Ouais, salut à tous! On se retrouve comme d'habitude avec Gab et Gog. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tabac qu'on a vu sur la précédente vidéo, le Winberry Mint. Alors, le Winberry Mint, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un tabac. De chez Starbuzz. Exactement. Aux fruits rouges et à la menthe. Une petite touche de menthe pour la menteur. Très très léger. Alors au goût on le ressent, mais on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. La configuration d'aujourd'hui c'est très très simple. On est sur une LKIF. On va pas vous faire voir le vase parce qu'on a cassé celui-là d'origine. Il est très moche. Il est vraiment très très moche. Il est kaki limite, mais on va pas vous faire voir de toute manière. C'est très simple. On est sur un foyer en silicone du X-Plat avec le cadeau de Lotus. Avec du coup deux coco bricots et un Amigold. Exactement. On a mis un tuyau en silicone bleu avec l'embout bubble avec du coup l'embout Kaya directement dessus. On a mis un obogénique parce que du coup mon frère est malade. Je suis très malade. Il est très malade. Je suis très souffrant. Il est en t-shirt mais il est malade. Ouais. et voilà, donc on va commencer le test tout de suite. Go, je te laisse commencer par le goût du coup. Enfin, par l'odeur. Ouverture très facile. C'est du 1 kg du coup, hein, donc c'est plus facile. Déjà, au niveau de l'odeur, ça monte très vite au nez. C'est vraiment des fruits du bois avec une petite touche de fraîcheur. Du fruit du bois. Du fruit du bois. Ouais. Du bois. C'est le fruit du dragon. Ouais. Non, ça sent vraiment très bon. Vous savez, les yaourts aux fruits des bois, là. Les fruits, la fraise, ouais, la menthe. Les yaourts Nivea. Pourquoi j'ai dit la menthe? La menthe. Je sais pas. On sent, alors ouais, la menthe. On sent vraiment les fruits avec une petite touche de fraîcheur, c'est vraiment très agréable. Ouais. Le tabac est brun du coup. Ouais. Comme beaucoup de Starbuzz du coup. Comme nous. T'es brun toi? Presque. Ouais, alors ça sent vraiment les fruits des bas. C'est vrai que ça sent du coup les yaourts aux fruits. Ouais. La laitière. Yoplait 0%. 0%. Ouais, ça sent vraiment très bon. Ça donne très envie, moi, je trouve. Ouais, bon, de toute manière, hein, tout ce qu'on achète en général, ça donne envie, à part quelques tabacs, mais on évitera de faire les tests, ouais, sur les ratés. On va rien dire. Donc, ça sent les fruits, une petite touche de fruits. La menthe est vraiment très légère, on la sent vraiment pas énormément à l'odeur. Ouais, Mais les fruits des bois ressortent vraiment en avant. C'est doux en fait, c'est une odeur vachement douce. Donc c'est pas mal. Hein. Enfin, moi ça me donne envie. Ça te donne envie toi? Très envie. Très envie. Ah, j'ai envie là. Alors, la note. Gog, sur 5. Moi 5. 5 sur 5? Ouais. C'est ton préféré de toute manière. C'est mon préféré. Ça tu l'avais dit. Parce que voilà, c'est des fruits. Moi j'adore les fruits, surtout les fruits rouges, les fruits. Ça donne vraiment envie. Ouais. Avec une petite touche de menthe, mais vraiment très légère. Mais on la sent vraiment pas. Hein. Ouais, c'est frais en fait. Il y a beaucoup de fraîcheur. Donc moi j'adore. Ouais, c'est frais. Ça sent l'été, hein, de toute manière. Ouais, ça sent. On adore l'été. En plus, il pleut dehors. Et vous, Gabriel? Moi, très cher, je mettrais plutôt une note de 4 sur 5. Oh, ouais. Dur. Pourquoi? Parce que la menthe, on la ressent vraiment pas énormément. Et c'est dommage parce que Winberry Mint, c'est des fruits des bois avec de la menthe. Et là, malheureusement, on le retrouve pas vraiment dans l'odeur. Donc, on va voir si on le ressent au niveau du goût. Mais au niveau de l'odeur, c'est raté déjà. Ouais. Par contre, le goût, enfin l'odeur des fruits des bois est vraiment présente et ça donne vraiment envie. Ouais. Alors, je te laisse commencer par le goût et après on donnera notre note directement sur le goût. Alors, pourquoi on a mis le foyer ami en silicone? Parce que ça va parfaitement en fait au cadeau de Lotus. Le seul inconvénient, c'est qu'au niveau de l'odeur, ça laisse des fois des odeurs. Des anciens tabacs, c'est pas comme des tabacs, enfin c'est pas comme des têtes en céramique. On ressent vraiment des fois l'odeur, mais c'est pas gênant. C'est vraiment très léger, mais c'est vraiment, c'est un peu dommage du coup pour le lavage, mais on essaie de frotter avec une éponge et l'odeur part légèrement, mais c'est vrai que c'est un peu difficile des fois de refaire des sessions dessus avec d'autres tabacs. Voilà. Donc la LKIF, très très bonne. Très bonne chicha. Chicha, ouais. Nous, c'est l'une des préférées qu'on a. On a mis vous savez, les. Comment ça s'appelle? Les diffuseurs. Directement au bout du. La tige. Au bout de la tige, ouais. Ce qui fait que ça filtre en fait. On a une facilité à tirer du coup. Et c'est silencieux. Et meilleure fumée aussi. Ouais. Meilleure fumée. Alors, meilleure fumée, je sais pas, mais par contre, ça filtre.
déjà le... Enfin, c'est plus silencieux du coup et c'est plus fluide à tirer. Vous êtes d'accord avec moi, très cher? Très cher, très d'accord. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Déjà au niveau du goût, ouais. On ressent une fraîcheur, on ressent vraiment les fruits. On ressent, grâce à l'amande, il y a une fraîcheur des fruits, c'est vraiment, c'est pas mal, c'est très agréable à tirer, ouais. À fumer. Ça ressemble à un, c'est bizarre, ça ressemble vraiment à un truc, mais on n'arrive pas à déterminer ce que c'est. Mais, le goût nous dit quelque chose, mais on sait pas exact, on n'arrive pas à trouver c'est quoi en fait. Ouais. Mais c'est pas, c'est une odeur, enfin c'est un goût... familial. Voilà. Mais familial, ça veut rien dire. Mais c'est pas grave, le goût est vraiment très présent, la menthe on la sent vraiment légèrement. De toute manière on retrouve exactement ce qu'on a là-dedans, voilà. Là-dedans. La menthe on la sent pas énormément, mais ça rend, il y a une toute petite touche de fraîcheur. Ouais, ça donne une fraîcheur au produit. Et c'est plaisant. C'est plaisant. Très plaisant. Donc ouais, on retrouve exactement ce qu'on a dans, dans la boîte. Il y a de la fumée quand même. C'est pour ça que c'est le tige à préférer. Parce que la LKIF, c'est un très bon modèle. Je crois que le produit est à 89€. TTC. TTC. Taxes comprises. Et c'est très agréable à fumer. Donc toi, au niveau de la note. Ouais. Bah, 5. Parce qu'on retrouve exactement ce qu'on a dans l'odeur. C'est un goût fruité, donc c'est, ça donne vraiment envie de se fumer sur du long terme. Voilà, donc que dire de plus ? Que ceux qui aiment les fruits des bois, bah voilà, vous êtes servis. Exactement. Et de toute manière, il nous reste pas beaucoup de tabac à l'intérieur, on a vraiment fumé quasiment tout. Ouais. On a peut-être fumé 600 grammes sur les 1 kg, donc ça part très vite. On apprécie énormément ce goût, enfin, surtout toi, parce que c'est ton préféré du coup. J'aime les fruits. Ah là, on adore les fruits. Il est différent du strawberry margarita. Il est, voilà, c'est vraiment, alors c'est pas du tout la même, c'est pas vraiment le même goût que le Alfakir fruits des bois menthe. Ouais. C'est un goût qui est différent, mais c'est très agréable à fumer. Très agréable. Donc au niveau de votre note? Alors moi, 4,5. Ouais. Ouais, 4,5 sur 5. Excellent tabac, rien à dire sur le produit. Bon, dommage que la menthe soit pas présente, mais en tout cas, on est satisfait du tabac. Du produit. Voilà. Merci Starbuzz. Merci. On vous kiffe. Grosse dédicace. Big up. Prochain test, donc le test est fini. Donc toi, alors au niveau du goût, tu as dit que tu mettrais un 5 sur 5. 5. Et au niveau de l'odeur, un 5, 5 sur 5. Et moi, au niveau du goût, je mettrais un 4. Non, 4,5. 4,5 au niveau et du l'odeur, goût 4. Et 4 au niveau du, voilà. De l'odeur. Exactement. Le prochain test sera tourné sur encore un Starbuzz, mais d'une gamme bold, le Queen of Sex. Il faut pas le dire. Tut. Tut. Ouais. Donc voilà, le Queen of Sex, ce sera le prochain test qu'on aura, qu'on vous présentera. Un très bon Starbuzz aussi. Très très bon on Starbuzz. On vous en dira plus dans c'est la prochaine vidéo. Bold, ouais. On adore les Game Bold, décidément. Et puis on vous le laissera sur la prochaine vidéo du coup. Exactement. Et puis voilà. Wally Wallou. Voilà ma biche. Voilà ma bouche. On se retrouve très prochainement. Et puis à très bientôt. Avec Gab et Gog. T'as fait tout à l'envers. C'est pas grave. Bye bye bye. Ciao.